Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour jouer à Wangan Midnight, sorti en 2007 sur la PlayStation 3. Alors c'est un jeu qui reprend un peu le manga du même nom, Wangan Midnight, qui est sorti il y a assez longtemps, enfin c'était un manga qui était sorti dans les années 90, et c'est une histoire qui parle de courses de rue. Voilà, donc on va incarner des personnages de cet animé. Donc Wangan Midnight. Et du coup l'histoire principale elle est assez simple. C'est Akio Asakura, donc un gars qui a 18 ans, et qui a fini ses études tout simplement. Et il est au volant du Nissan Z. En fait il est passionné des Nissan Z, enfin les séries Z. Quand j'ai les séries Z c'est ce qu'on appelle aussi les Ferlini. Et du coup on va se retrouver à faire des courses en ville contre d'autres prétendants. C'est un jeu qui est un peu dans le même vibe que l'autre jeu, c'est par exemple sur Dreamcast, on les avait fait, j'ai oublié le nom. Mais en gros, le but, c'est Tokyo Express, ça s'appelle comme ça, Tokyo Extreme. Le but, c'est de distancer, je vous fais un petit peu le topo rapidement et puis on va commencer après. C'est de distancer d'un nombre de mètres assez longtemps la voiture devant nous ou derrière nous pour pouvoir remporter le duel. Voilà. Et donc, l'histoire assez simple en fait. Le gars il aura aperçu apparemment une Nissan 240Z, donc la Ferlini, et où il y aurait apparemment une jeune fille dedans, vous allez la voir dans le jeu. Et l'histoire en fait se base sur le fait de savoir s'il est plus attiré par la bagnole que par la fille. C'est incroyable. Ne vous inquiétez pas, je me suis aidé de Wikipédia parce que je ne connaissais absolument pas le manga. Voilà. Et donc apparemment comment ça s'appelle, le fil rouge de cette histoire, c'est que il y avait une voiture qui s'appelle la Devil Z qui est toujours cherchée. Et apparemment cette voiture elle serait maudite. Donc on lui aurait lui l'aurait récupéré en fait cette voiture. Mais cette voiture elle appartient à Akio. Et c'est une voiture qui aurait été la personne qui la conduisait en fait à l'époque est complètement décédée. Voilà, et depuis la voiture n'a jamais eu d'autre propriétaire. On va faire start. Allez, c'est parti. Je vous laisse pas plus avec l'introduction. On va démarrer. Alors, l'avantage de ce jeu, honnêtement, si vous n'êtes pas japonais, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà traduites, notamment les menus. Alors, vous avez les descriptions qui ne sont pas. On va faire un tour rapide. En vrai, il y a pas mal de choses. J'ai l'impression qu'il y a rien dans mon truc. Alors, One Gun Connection. Si on va dessus, c'est simple. Il faut être connecté au serveur, donc en fait vous êtes obligé de jouer en ligne pour pouvoir utiliser cette fonction. Midnight Theater, c'est pour voir les replays. Le card setup, alors ça c'est intéressant, vous allez voir après. On va juste voir les options un peu avant. Donc on peut changer les configurations du jeu. Donc là par exemple la mission Assist MT, en fait c'est savoir si on a la boîte auto ou manuelle. Ça c'est la vue par défaut, il y a trois vues, une vue intérieure et deux vues extérieures. Sauvegarde automatique. Et voilà, on peut valider. On peut changer la configuration du driver, donc en fait c'est surtout l'affichage. Est-ce qu'on peut voir le tracé de course? Est-ce qu'on peut voir la map, si elle est fixe et si elle tourne en même temps que nous? On va mettre turn si par exemple. Voilà, on va faire OK. On peut changer la configuration du son, les configurations des touches. On peut même jouer au volant. Alors c'est un jeu qui normalement se joue dans les salles d'arcade. C'est une version PS3, mais c'est un jeu qui était plutôt connu sur les salles d'arcade. Et au niveau du contrôleur, voilà, on peut choisir le réglage. Je vous expliquerai après ce qu'il y a. Le install, c'est pour installer sur le disque dur. Donc ça permettait de charger plus rapidement. C'est un peu comme Gran Turismo. Ça permettait de charger plus rapidement le jeu plutôt que d'attendre bêtement. Mais bon, là ça va, donc je ne l'ai pas forcément fait. À chaque fois qu'on quitte une option, il sauvegarde. Et donc le card setup, alors ça c'est pas mal. On peut voir par exemple toutes les cartes que l'on a débloquées. Voilà, donc pour les débloquer, vous avez en bas pourquoi, enfin comment il faut faire pour les débloquer. Et ça vous donne des habilités supplémentaires dans le jeu. Donc voilà, par exemple on en a une ici. Là c'est niveau 92. Quand on va dessus,
Il nous explique ce que ça donne comme, comme capacité. Donc là, rapidement, par exemple ici, si on regarde ce que ça donne. Donc là, c'est un silencieux, par exemple, pour, pour le véhicule. Donc c'est un échappement unique, et c'est possédé, vous voyez, dès le début du jeu, par exemple. Et quand vous avez cette carte, ça vous débloque en fait un objet, ou un personnage, ou autre dans, dans la partie. Donc voilà, moi ce que vous avez ici, c'est pas mal, c'est un système qui vous obligera à finir le jeu à 100% si vous voulez avoir tous les items et modifier vos... modifier votre véhicule. On a mode One Match Mode, qui est un mode où on sélectionne en fait le type de... de partie. On a le Ranking Battle, donc c'est par rapport au rang qu'on a actuellement. On a SP Battle. SP Battle, c'est le mode. Alors, Ranking Battle, c'est une course classique, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez un circuit, vous avez un tour, vous devez arriver le premier à la fin du tour. Là, le SP Battle, c'est le mode classique, c'est-à-dire le mode où vous devez distancer le pilote de pas mal de mètres pendant un moment donné. Et on a une barre qui s'affiche en haut entre le concurrent et nous, qui, une fois que la barre est totalement vide, que ce soit nous ou lui, la partie se termine. On peut changer le premier joueur, donc nous, nos réglages, et on peut changer aussi celle de l'ordinateur. Donc ce qu'on va faire, par exemple, on va changer le véhicule. Donc vous voyez, on a différents personnages, mais c'est souvent les mêmes personnages, si je dis pas de bêtises. Ils se ressemblent tellement, tellement raciste de dire ça. Non mais en vrai, des fois, j'ai un peu du mal à comprendre c'est quoi la différence entre lui et lui. Vous voyez, on dirait que c'est le même personnage, mais mieux habillé ou dans une autre configuration. Et je pense que c'est peut-être le même personnage, mais dans différentes étapes de l'histoire. Donc par exemple, si on prend par défaut le personnage, donc Akio, il commence avec une Fairlady Z, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc voilà, il a ce véhicule. On peut changer la vue, à quelle heure il y a un. Voilà, et si on fait R2, on peut voir les spécifications du véhicule. Voilà, donc on va prendre ça là par exemple. Et normalement, si je change, et je prends par exemple cette version là, je crois qu'il n'a pas le même véhicule. Voilà, par exemple, il a une Supra. Voilà. Donc le jeu, en tant que tel, vous allez le voir, on va parler des graphismes après, etc. Bon, pour le 2007, il est quand même plutôt pas mal fait, même si on est dans un environnement qui aide aussi à ce que ce soit facile à développer. Et normalement, si je prends le véhicule, on va faire oui. J'ai pris la Supra, mais je suis pas sûr que ce soit le bon plan, mais c'est juste pour vous montrer un peu. On peut customiser le véhicule. Donc par exemple, on peut mettre un bonnet. Vous voyez, là, je n'ai pas de carte, donc je ne peux pas la changer. Muffler, vous voyez, j'avais le muffler tout à l'heure, le silencieux, je peux changer. Bon, je vais prendre celle-là. Et le spoiler arrière. J'ai un spoiler qui m'est donné avec cette carte, qui me permet de changer aussi l'aileron arrière. Et on a les setups pour les cartes. Donc là, c'est pareil, on remet au menu de tout à l'heure. Bon, on est resté un petit peu longtemps dans les menus, mais voilà, je vous explique une fois, et après, on va enchaîner un peu. Je peux donc, là je suis avec la Supra, mais je peux donc changer le personnage. Par exemple, on va prendre lui. Et lui, il roule avec une Mazda RX-7. Donc je pense que voilà, ça devrait être assez fair entre nous. Donc on va faire ça, on va faire oui. Voilà. Et on va faire un... bon, on va faire un SP Battle, puisque c'est le mode le courant. Et donc là, on a différentes courses autour de la ville. Donc c'est zéro à Tokyo, normalement. On va prendre, par exemple, celle-là, sûr de faire toujours le même circuit. On est déjà à 10 minutes. Alors, il explique des choses et tout, je vous avoue que je n'ai pas le temps de traduire tout ça. Donc, voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc là, on est sur, là, bah, évidemment, toujours hein, les autoroutes japonaises. On a une vue embarquée, donc avec les compteurs de vitesse, etc. Et je me suis pris la bagnole parce qu'il s'est décalé. Et vous voyez ma barre en haut, ma jauge, plus je suis loin, plus elles font vite. Et c'est là qu'il faut que je fasse gaffe. Donc là, je vais changer la vue. Et je pense que là, j'ai déjà quasiment perdu parce que ça grimpe assez vite. Ah, j'ai perdu. J'ai à peine commencé, je suis déjà mort. C'est pas mal. Donc on a perdu contre lui. Bon, on fait un replay, mais on peut sauvegarder le replay. Alors, le problème, c'est que voilà, une fois que j'ai perdu, il faut que je recommence à nouveau.
Donc on va faire un nouveau aspect battle. Et on va choisir la même carte. Hein, voilà. Alors, le problème c'est que je peux pas recommencer directement. Allez, c'est parti. On retente le coup. Enfin, si on se passe faire avoir par le camion du début, voilà, là je l'ai taffé donc je perds un peu de temps. Allez, c'est parti. Alors, du coup, on peut aller gauche à droite évidemment parce qu'on manipule les véhicules jusque-là, elle est extraordinaire. On peut faire des appels de phare, on peut freiner d'un coup en appuyant sur la touche L1 et on peut faire des appels de phare avec L2. Et je crois que j'ai fait n'importe quoi, bon c'est terminé. C'est terminé, on a perdu du temps. Voilà, si je fais L2, je peux donc utiliser mes phares. Mais là je pense que c'est mort encore une fois parce qu'on s'est planté. Donc, du coup on va faire retry directement, comme ça on perdra pas de temps. Je vais refaire une petite tentative. Et ensuite après je vous montrerai le mode histoire. Alors il n'y a eu que trois versions de ce jeu hors arcade. Il y a une version qui est sortie sur PlayStation Portable, une sur PlayStation 2 avant, et celle-ci la version PlayStation 3. Alors, il n'y a pas de vue arrière par contre, c'est ce que je me faisais comme réflexion tout à l'heure. Vous voyez, sa barre elle diminue comme la mienne tout à l'heure, on va vite switcher là, hop là. Pour l'instant ça bouge pas, il est en dessous de la ligne. Voilà, on va accélérer. Donc le maniement est plutôt basique. On sent un peu le poids des véhicules à l'approche des virages, ça c'est une certitude. Par contre, c'est pas un jeu qui est simulation. On est vraiment dans la. Oh, on est dans... En fait, je pourrais le comparer à Need for Speed là, honnêtement. À Most Wanted ou un Underground. Donc là, on a gagné, voilà, mais ça ne sert à rien, c'est juste pour s'entraîner. Voilà, donc on va passer directement au mode histoire. Donc le mode freerun, c'est pour s'entraîner. À freerun, non, freerun, on est autour d'une ville, de la ville, pardon. Et time attack, on doit faire du temps. Donc on va faire story mode. Et on a du coup deux histoires. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement parce que je ne connais pas le manga. Donc on va faire l'histoire de base, hein, simplement. Voilà. Alors, je vais essayer de vous expliquer de quoi il en retourne, parce que ça c'est vraiment le plus difficile. Donc concrètement... Donc ils disent que Akio est fasciné par la licence Z, et du coup il devient propriétaire de celle-ci. Akio il va courir donc le long de la côte à la recherche de la bataille pour la Blackbird. Donc là la Blackbird va répondre à ses propositions, et c'est à ce moment-là du coup que l'histoire d'Akio va commencer. Voilà, donc ça c'est une tradition un peu boiteuse du truc, mais voilà. Vous êtes au fait. On a les cartes setup, donc pour l'instant on n'a pas de carte, donc je pense que ça sert à rien. On va faire start. Alors j'imagine que les cartes évidemment vont améliorer le véhicule légèrement. Donc là on est en début d'histoire. Donc là, on est à l'âge où il a 19 ans. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est-à-dire que on va retracer un peu l'histoire, enfin l'histoire quand il est jeune, jusqu'à un peu plus tard. Donc on peut customiser la véhicule, on va quand même regarder un peu la customisation. Pour l'instant, vous avez vu, on n'a rien et on a du coup cette Fairlady Z. Je sais pas de quelle année elle date celle-là. Ouais, c'est avant celle de 89, donc. Au niveau du bonnet, bon, on a la même chose, donc on n'a rien. On va juste changer le spoiler si on peut.
niveau muffler. Oh, ça fait kéké. J'ai envie de laisser par défaut. Ouf, on va mettre ça. Allez. On va valider ça. Et du coup, on va faire donc la course. Se déroulera sur ce tracé-là. Dans un sens, parce qu'on va faire le tracé dans le sens inverse aussi. On va démarrer. Et en boîte automatique pour le moment, parce que bon, j'imagine que la boîte manuelle est plus efficace. Mais comme je connais à peine le jeu. Ah, j'appuie sur ça, j'en ai pas vu. Donc là, il faut mettre 200 mètres d'écart entre les deux, et donc on roule contre la Blackbird noire. Oula, par contre, on peut déjà sentir. On peut déjà sentir que j'ai pas le véhicule le plus rapide. Alors évidemment, il va se passer des trucs dans le mode histoire, hein, que l'on n'aura pas en mode solo, enfin, en mode basique. Il faut prendre tout droit. Alors ce qui est bien, c'est qu'il indique le chemin à prendre à chaque fois un petit peu à l'avance. Ça évite de se faire avoir. Par contre, là, je suis à combien? 90 mètres. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un petit bug. Ah si, c'est bon. Je sais pas. Il vient de se passer un truc. Et... Ah, j'ai l'impression qu'il y a un petit bug, on voit pas du tout ce qui se passe. Ah, c'est dommage. Qu'est-ce que c'est, quoi ce truc? C'est quoi ce bordel? Du coup, bon, j'ai réussi, j'ai fait un rampé. Bon, c'était une ligne droite, hein, il y avait rien d'autre à faire. Il fallait que je sois en dessous, enfin, pas trop loin des 200 mètres pour que ça passe. Donc là, en fait, je pense qu'on a juste de calculer qu'il y avait la Blackbird, j'imagine, dans l'histoire. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs à venir. Ah, bah là, il y a une histoire, voilà. いい車じゃないか。お前のZ。うん。でも。おいおい。ブラックバードが相手だったんだろ。それ無理っつもよ。格が違うわ。やつはもう何年も負け知らずの湾岸の帝王だぜ。Il nous dit que c'est le. Il demande combien de temps on va rester ici, donc faut y aller. Hein, qu'est-ce qui se passe? Et là, il voit la fameuse voiture qu'il va récupérer à la casse, justement. C'est le premier modèle, la S30. Il y a un contrôle technique avec un certificat qui appartient à Kyo Asakura. Donc il dit que ça c'est cool. Et on me propose de l'acheter. Et il dit que non, il veut pas parce que c'est le mec qui lui a dit de mettre celle-là à la casse. Il dit qu'il pense que c'est une voiture dangereuse. Il dit qu'il s'en fiche et qu'il faut la vendre. Donc là, on va se regarder la partie. Il n'aurait jamais pensé qu'on achèterait la Z. Il dit que quand il la voit, ça lui fait penser à quelque chose. Il y a 3 ans, il a soudainement vu une 30Z qui courait devant lui. Et il y avait une fille qui était assise à côté de lui. Donc lui dit laquelle. Donc ça rejoint l'histoire, voilà, tout simplement. Donc on va faire Battle Start. Alors j'enregistre la course si ça a changé. Donc c'est sur tronçon d'autoroute, ok. Ça va être encore une ligne droite. Et on va faire Battle Start. Allez, c'est parti. Alors pourquoi souvent ce type de jeu au Japon? Tout simplement parce que eh ben,
les autoroutes sur Tokyo, étant beaucoup de grandes villes, sont beaucoup plus calmes, il y a beaucoup moins de monde de nuit, puisque les gens ne travaillent pas, quoi, les gens sont chez eux. Et pour le coup, oula, je vais me faire avoir. Donc là j'ai un rival, on va essayer de l'avoir. Alors faut vraiment faire gaffe au trafic, hein, ça fait pas énormément de temps. Et vous voyez que là la ligne droite en bas, enfin, l'arrivée est très loin. Et pas loin pardon. Et du coup on va peut-être battre le rival. Et on a réussi. Donc là en fait soit on perd directement parce qu'on est trop loin, soit il faut juste passer la ligne devant lui. Donc c'est pas vraiment le mode classique. Et là vous voyez on a bataille numéro 2, on a le classement bébé qui se cumule. Donc on peut avoir, je pense, un classement global à la fin. Par contre, je demande comment on peut avoir le classement. Voilà, il dit que l'ancien propriétaire était célèbre dans la région il y a 2 ans. Pourquoi il y a 2 ans? Et après, il explique que ben, cette personne est décédée, justement. Il demande si on connaît le Blackbird. C'est... Il lui dit que lui a couru contre lui, contre ce Blackbird, le gars de gauche. Et apparemment, il s'appelait le Devil Z, le propriétaire du véhicule. Devil Z. Et du coup, on passe à la suite. Donc c'est une histoire hein, que l'on va suivre au fur et à mesure. Alors par contre, c'est vrai qu'ils se sont pas embêtés en termes de... Ah, il demande s'il va à l'abbé ce soir aussi. Il dit oui. Elle lui explique que la voiture a quand même une histoire assez particulière, donc il faut quand même qu'il fasse gaffe. Et il pense que la voiture est quand même très bien, donc il a envie d'essayer. Et il pense qu'il perdra jamais justement avec ce véhicule. Et donc c'est parti pour la suite. Allez, on va faire du coup bah, la même chose. Je pense pas avoir gagné des trucs, je vérifie quand même. Carte setup, on va voir si on a débloqué des choses. Crowd view. Je pense pas qu'on débloque des choses dès le début. Hein. Enfin, je pense qu'il faut attendre un petit peu. Ceux-là, on les avait déjà. Ah, lui, je sais pas ce que c'est. Non, on a que 3. Ah non, on a tout ça encore. Ah, attendez, peut-être qu'on a débloqué des trucs. Mais il le dit pas, donc je suis pas sûr. J'ai quand même vérifié. Est-ce qu'on a des nouveaux bonnets? Non, on a rien. On a ça pendant les 3 cartes. Toujours les mêmes, donc ça change pas. Ok, bon c'est pas grave, hein, c'est la vie. On va du coup faire battle start. Bon, malheureusement il se passe des trucs, on voit pas ce qui se passe là. En fait on est censé, je pense, avoir un écran avec une 3 dimensions. Allez, Ranking Battle. Donc là, c'est nous qui sommes... Ah, mais quel... Oh, je vais perdre direct. Si je freine dès le début, je vais perdre direct. Mais je confonds à chaque fois l'appel de phare et le frein à main. Bon, là, l'idée, c'est de finir devant lui, comme d'habitude, en fait, dans le jeu. Je vous avoue que j'ai aucune possibilité de traduire ce qu'ils disent pendant la course, hein, c'est impossible. Déjà c'est trop court, et en plus je suis concentré à fond sur la route. Ah non, le moteur a planté!
Ah ouais, d'accord. Ah ok, donc sinon si je veux recommencer, on va faire oui. Mais le moteur apparemment c'est pas fou quoi. Ah, on voit l'état du moteur en bas, vous voyez il est en bleu. Donc j'imagine qu'il faut que je fasse attention à un certain moment, que je ralentisse un peu. Bon, et là je vais ralentir un petit peu. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe à l'état du moteur. J'oublie de ralentir à chaque fois. Dès que je le rattrape, en fait, je ralentis légèrement. Faut éviter que le moteur surchauffe. Le but, c'est d'arriver jusqu'au bout, évidemment. Bon, là, c'est une ligne droite. Ça, c'est intéressant parce que du coup. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, je peux pas aller à fond tout le temps. J'ai ralenti, ça a permis d'éviter que ça chauffe un peu trop. C'est bon, on a réussi. Ah, c'est sympa ça par contre, de devoir gérer la chauffe du moteur, ça c'est plutôt cool. Alors malheureusement il y a un bug, je ne peux pas voir ce qui se passe là. Bon, j'imagine qu'il se passe pas grand chose à part avoir des caisses. Et du coup, on finit avec un rang B. Bah, décidément, ça fait trois fois qu'on a le rang. Allez, la suite de l'histoire. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai dit? Il lui demande s'il va faire un tour. Il dit que c'est Asakura, Akio Asakura. Et ils ont le même nom de famille entre les deux. Il dit qu'apparemment, au bout de ces jours, un de ces jours, il va apparaître à nouveau. Il dit que c'est arrivé dans une station service. Enfin, elle dit que c'est arrivé dans une station service. Et elle dit qu'en fait, elle roulait à côté d'une 30Z à l'époque, en parlant d'elle. Et il dit que son frère est mort sur cette voiture. Donc Asakura Akio. Elle lui demande pourquoi elle peut pas utiliser cette voiture et pourquoi elle peut pas utiliser cette Nissan Z. Il dit que même s'il porte le même nom, il n'est pas son frère pour autant. Il dit que peu importe ce qui s'est passé avant, même si la voiture est considérée comme un monstre, elle aime bien cette... Il aime bien ce véhicule. Et il demande de dire qu'il sera de retour, enfin, à la fille qui connaît la Blackbird, qui sera là à 3h du matin contre elle. Il va essayer de vaincre le Blackbird. En fait, le Blackbird, c'est comme la Yellow Bird, en fait, quand vous connaissez chez Porsche. Sauf qu'ils l'ont appelé Blackbird parce qu'elle est noire. Donc là, apparemment, on va aller à Yokohama. Enfin, il propose d'aller à Yokohama. Peut-être que tu
Apparemment, il dit que tant qu'on roulera dessus, on n'aura aucun problème. Enfin, c'est un peu difficile à traduire, honnêtement. C'est un peu décousu niveau discours. Enfin, j'ai un peu du mal à saisir le truc. Mais bon, écoutez, hein, si le jeu était en français, ça se saurait. Allez, on va faire Battle Start. Carte customisée, je pense qu'on a toujours rien. Et là, au niveau de la course, on va être sur cette portion. Ok, donc c'est... Il nous indique la course qu'on va faire, mais c'est pas fou en tant que tel. Je trouve que ça aurait été mieux de vraiment montrer le tracé un peu plus près. Et donc, nous sommes partis. Donc pareil, on va avoir un problème avec le moteur peut-être qui va surchauffer à chaque fois, donc ça va être compliqué. Donc faut vraiment que je fasse gaffe hein, avec ce moteur. Pour l'instant on va attendre un peu. On va rester derrière lui pas trop loin. Et arrêtez. Je suis obligé de refroidir à chaque fois. Ah, c'est pas facile, il faut vraiment doser. Dans la ligne droite, on est censé aller au plus vite. Là, le moteur va cramer. Je tapote un peu pour être entre les deux. La ligne droite est pas loin, enfin, le goal est pas loin. Ça va être compliqué. Ouf, c'est bon, on a passé. 2 minutes. Je pense que si on passe en dessous des 2 minutes, potentiellement on a un meilleur score. On a fait 2 minutes et 0-0 et quelques. Il dit que quelque chose d'inattendu s'est produit. J'espère que c'est pas de ta faute s'il est mort, n'est-ce pas? Bon bah le problème c'est qu'on voit rien, je suis désolé. Et du coup, on a fait encore un rang B. Donc on est à 4ème rang B d'affilée, bon bah, je pense que c'est la moyenne hein, si on veut au moins réussir. Il dit que c'était lui qui avait fait une erreur, que ça venait pas de la voiture. Il faut lui dire à Blackbird, il pense qu'il va réapparaître à nouveau. Enfin, il va le voir à nouveau. Avec sa Nissan. Et il lui dit que qu'il va lui mettre en gros la pâtée à la prochaine. Et il dit que c'est que le début. L'histoire de Wangan démarre simplement, seulement, maintenant. Et du coup, ben voilà, on a fini le premier arc, on va dire, de cette série, avec 4 fois la note de B. Je vais voir juste ce qu'il nous dit, parce que on a le niveau Silver, je sais pas si on débloque quelque chose. Et on a fait 80%. Et il dit, n'en faites pas trop, c'est important. Je sais pas pourquoi il dit ça. Bon,
Bah écoutez, on va peut-être débloquer quelque chose. Donc on a fini la série 1 avec la 30 Z. Et on a débloqué une nouvelle carte, c'est incroyable, regardez. En plus avec le statut S, waouh, je sais pas si ça a vraiment une importance. On dirait un gacha le truc. Du coup on a fini le mode Daikoku le premier, voilà, avec un niveau bronze ou supérieur, du coup on débloque cette carte. Donc là c'est pour le mode survie. Et je sais pas à quoi ça sert, honnêtement, ce truc. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Et on a encore une nouvelle carte. Là, on a débloqué une carte qui augmente un petit peu notre habilité. Qu'est-ce qu'elle fait cette carte exactement? Ça serait bien qu'ils me le disent. Donc là, ça améliore le système d'entraînement par Yoshida. Donc c'est un mécano, je pense, qui doit améliorer un petit peu notre véhicule. Voilà, ben on va passer à la suite simplement, sauvegarder. Du coup, vous avez compris, hein, on va suivre l'histoire de chacun. Là, on est sur la partie série 2 jusqu'à arriver à toutes les parties de l'anime. Je pense que ça retrace entièrement l'anime, hein. Franchement, je pense que ça doit être ça. Il y a 12 parties, et surtout qu'il y a là aussi cette partie-là avec lui. C'est en partie combien? 12 parties aussi? 10. Donc on a potentiellement 22 arcs différents avec à chaque fois des missions entrecoupées. Donc voilà. Alors je suis désolé, évidemment on est énormément bloqué par le fait que le jeu soit en japonais. Et comme d'habitude, hein. Donc si vous voulez l'essayer, bah, va falloir tout traduire. Sinon vous n'allez pas à comprendre grand chose. Donc j'ai pas trop parlé du jeu en tant que tel, le jeu est plutôt bien fait, hein. Sur PS3, c'est quand même bien rendu, l'effet dit assez bon, on a 3 vues, c'est dommage qu'on ait pas une vue intérieure, ça serait vachement cool. Après, normalement c'est fidèle au niveau des tracés de ce que l'on a dans la réalité sur l'autoroute. On a quelques véhicules, vous avez pu le voir, alors on n'a pas forcément tous les véhicules du monde, mais on en a quand même quelques-uns. On a vu la Supra, on a vu la 30Z. J'ai pas regardé un peu le véhicule qu'elle a. Elle, je crois que Reina, elle a du coup, bah voilà, une GTR 32. Voilà, qu'on peut voir un peu sous tous les angles. On va regarder un petit peu les véhicules disponibles avant de se laisser là-dessus. Je crois que j'ai déjà pris celui-là. Non, la RX-7, ouais, c'est le concurrent que j'ai pris tout à l'heure. Là, on a quoi? Ah, là on a une Ferrari DZ mais dans une autre version. Là on a une Skyline encore. Il y a beaucoup beaucoup de Nissan. Pour l'instant on a eu qu'un constructeur différent. C'était la Mazda, pardon, et la Supra. Là on a une GTR carrément d'un coup. On a pas vu celui-là. Ah oui, on a là, évidemment la Porsche, la Roof, la Yellowbird, hein, comme vous l'appellerez comme vous voulez. Ah, mais il a d'autres véhicules? Ah, d'accord, on a la CTR et on a la version 930. Ah, c'est pas mal ça, j'ai pas fait gaffe. Attendez, il y a plusieurs véhicules. Alors, si je vais sur Reina. Non, 1 sur 1. Et si on va par exemple sur lui. Toujours 1 sur 1. Je vais quand même vérifier qu'on n'ait pas raté les véhicules. Non, toujours 1 sur 1. Est-ce que le personnage principal a plusieurs véhicules? Non, toujours pas. Et évidemment, alors je ne vous l'ai pas dit, mais on a aussi des personnages évidemment à débloquer en dessous. Donc voilà les clics qu'on a. Bon, il n'y en a pas tant que ça. Maintenant, j'ai été un petit peu optimiste. Mais peut-être qu'on en débloque beaucoup à la fin, hein, ça veut rien dire. Ouais, voilà, c'est la Supra qu'on avait tout à l'heure. Le dernier, toujours un seul véhicule. Bon. À vous de voir, je ne connais pas la suite, ça sera à vous de les tester si vous avez envie. Donc, un jeu, ma foi, qui m'a l'air fort sympathique. Il faudrait trouver une traduction, honnêtement, pour que ce soit beaucoup plus sympa à suivre. Donc, j'ai pas grand chose à dire, honnêtement. Il faut vraiment voir par vous-même si ça vous intéresse ce genre de jeu. Il y en a qui adorent ce type de jeu. Peut-être qu'un jour, on fera un jeu qui est sorti il y a pas si longtemps, il y a un an, et qui est toujours en développement. Où on est sur une île, un peu façon Test Drive, et c'est du style Initial D. Avec du dérapage, avec ce genre de choses. On essaiera peut-être plus tard, si j'arrive à le procurer. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, même si effectivement c'était difficile à expliquer. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!